Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi. Eh oui, 1er octobre, on est déjà rendu au 1er octobre, 7h23, heure du Québec. Imaginez-vous, j'ai trouvé quelque chose qui nous vient du Business Insider, qui nous dit qu'après avoir mesuré le rayonnement sur la Lune pour la première fois, les scientifiques disent qu'une base lunaire devrait être construite sous Terre pour protéger les astronautes. Ça a été publié hier, ça. La NASA a récemment dévoilé le plan de son programme Artemis, une série de missions qui ramènerait les astronautes sur la Lune. Une nouvelle étude révèle à quel point les astronautes sont exposés aux radiations sur la surface lunaire. Une dose quotidienne environ 200 fois supérieure à celle de la Terre. La NASA veut construire une base sur la Lune, mais les nouvelles données suggèrent qu'il serait plus sûr d'enterrer une telle base sous 2,5 pieds de terre lunaire pour protéger les astronautes. Des radiations. La NASA veut construire une base permanente sur la Lune d'ici les années 2030, imaginez-vous, un endroit où les astronautes pourraient rester pour des visites prolongées au pôle sud lunaire. Mais selon une nouvelle étude, tous les astronautes qui s'y rendraient seraient confrontés à des niveaux de rayonnement à peu près trois fois plus élevés que ceux auxquels les astronautes de la station spatiale font face. À des doses suffisamment élevées, une exposition à long terme à ce rayonnement cosmique pose des risques sanitaires importants, notamment des cataractes, des cancers et des maladies du système nerveux central. La nouvelle recherche publiée la semaine dernière dans la revue Science calcule pour la première fois quelle serait la dose quotidienne de rayonnement d'un marcheur lunaire, un nombre inconnu auparavant. Si vous pensez à des personnes qui restent sur la Lune pendant de longues périodes, par exemple, dans une station de recherche scientifique pendant un an ou deux, alors ces niveaux commencent à devenir problématiques, a déclaré Robert Wimmer Schwinggruber, co-auteur de la nouvelle étude, a-t-il déclaré à Business Insider. La solution, a-t-il dit, serait que toute base lunaire soit construite sous la surface de la Lune. Couvrir votre habitat avec des quantités suffisantes de saleté lunaire devrait faire l'affaire, a déclaré Wimmer. Vraiment intéressant, hein? Les astronautes d'Apollo ont transporté des instruments de mesure du rayonnement lors de leur mission dans les années 60 et 70. Mais ces dosimètres ne pouvaient indiquer aux scientifiques que la quantité totale de rayonnement à laquelle les astronautes étaient exposés pendant tout leur séjour dans l'espace. Cela va du décollage à l'atterrissage et tout le reste, pas seulement sur la Lune. L'équipe de Wimmer a pu documenter les niveaux de rayonnement quotidien à la surface de la Lune en analysant les données collectées par le vaisseau spatial chinois Chang'e 4, qui a atterri en janvier 2019. Un outil à bord du Chang'e 4 a mesuré la quantité totale de rayonnement qu'il avait absorbé, puis a retransmis ces données de rayonnement sur Terre via des satellites. Ensuite, il s'agissait d'arithmétique simple. Les chercheurs ont divisé cette dose totale de rayonnement par la durée pendant laquelle l'outil avait collecté des données pour calculer le total quotidien. L'exposition au rayonnement que nous avons mesuré est une bonne référence pour le rayonnement dans une combinaison d'astronautes, a déclaré Thomas Berger, un co-auteur de l'étude, dans un communiqué de presse. C'est vraiment intéressant. Le rayonnement est un terme fourre-tout. Selon les mots de Wimmer, il décrit simplement l'énergie se déposant dans des endroits de votre corps qu'elle ne devrait pas être, avec parfois des effets néfastes. Sur Terre, cette énergie peut se présenter sous forme de lumière et de chaleur que nous pouvons ressentir, ainsi que de sources comme les rayons X, ce que nous ne pouvons pas. Cependant, le fort champ magnétique de la planète a une atmosphère épaisse, protège la surface de la plupart des rayonnements cosmiques qui proviennent des rayons cosmiques galactiques, des particules solaires s'éloignant du Soleil, des neutrons et des rayons gamma. Lorsque les gens volent dans des avions, ils planent au-dessus d'une partie de ce bouclier atmosphérique de sorte que la dose de rayonnement à laquelle ils sont exposés augmente. Les astronautes sur la Lune, quant à eux, font face à un niveau de rayonnement quotidien 5 à 10 fois plus élevé que les aviateurs transatlantiques, car la Lune n'a pas le bouclier que la Terre possède. Ainsi, un astronaute sur la surface lunaire serait exposé à 1369 microsieverts de rayonnement par jour, environ 200 fois plus élevé que le niveau quotidien sur Terre. C'est une exposition considérable, a déclaré Wimmer. C'est pourquoi
son équipe suggère d'enterrer les bases lunaires. Dans l'idéal, vous aimeriez être sous autant de matière que l'équivalent de l'atmosphère terrestre, a déclaré Wimmer, ajoutant une profondeur optimale est de 30 pouces de sol lunaire. Vraiment intéressant. Et surtout d'apprendre qu'on veut avoir une base d'ici 2030. Fascinant. Je vous reviens.